elle veut chaud, chaud, chaud. Elle veut le butin, plein, chaud. Elle veut mon boussin, ça, chaud. Elle veut ça, ça, chaud. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va super, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mode et d'entrepreneuriat. Alors j'ai vraiment le plaisir, vraiment l'immense joie de vous proposer donc aujourd'hui une veste de la marque Nikeka, qui est donc la marque d'une personne que j'admire énormément, parce que c'est une personne donc qui est une femme entrepreneur, une jeune femme entrepreneur qui est vraiment très ambitieuse et qui vraiment aime le travail. Moi, ce sont des choses qui me touchent vraiment beaucoup parce que je pense que si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que je suis absolument fan de l'entrepreneuriat, de tout ce qui est femmes d'influence, des femmes qui ont des ambitions, etc. Et je n'arrête pas d'en parler, je n'arrête pas de plébisciter cela. Donc, je suis encore ravie aujourd'hui de vous parler donc, de Nikeka. Et de ses produits, particulièrement de cette veste dont je vous donnerai quelques détails donc, au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, donc, si ça vous intéresse, restez connectés, je vous dis à tout de suite. Bisous. Alors donc, pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous savez à quel point je suis absolument fan d'une mode personnelle, d'une mode qui ne ressemble pas à ce qu'on voit partout, d'une mode qui nous caractérise et d'une mode qui est vraiment unique. Bon, bien entendu, je suis absolument consciente que c'est pas évident de s'habiller de façon unique aujourd'hui parce que forcément tout le monde va dans les mêmes magasins, etc. Mais il y a encore des moyens, si vous voulez, de quand même personnaliser, de quand même rendre à son image, j'ai envie de dire, une tenue, un style, un look, etc., etc. Et l'un des moyens que je trouve vraiment super pour faire ce genre de choses, c'est d'opter pour les tenues de créateur. Alors, quand je dis tenue de créateur, je sais que les gens, la plupart du temps, pensent forcément aux créateurs, on va dire, les plus connus du monde, etc. Donc, pensent forcément argent, pensent forcément que voilà, ça va coûter hyper cher, que ça sera hyper compliqué, que ça sera très très inaccessible, etc. Pas toujours. La preuve en est, par ce genre d'initiative comme celle de la créatrice de la marque que je porte aujourd'hui, qui est donc la marque Nikeka. Voilà. Alors, la marque Nikeka, c'est quoi? Donc, la marque Nikeka, c'est une marque qui a été créée par une jeune demoiselle. Donc, coucou à toi si tu me regardes. Qui est donc une marque spécialisée dans la personnalisation de bombers. Alors, autant vous dire que ces bombers sont juste magnifiques. Non, vraiment, c'est... En fait, ce sont vraiment des pièces que vous ne verrez nulle part. Donc, en fait, elle travaille aussi bien le tissu, des tissus comme le wax, que d'autres formes de tissus plutôt classiques, comme par exemple le cuir. Et ce que j'aime beaucoup avec ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des associations qui sont vraiment très 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 belles. Par exemple, elle a des associations comme le cuir et le wax, le cuir et des tissus un peu plus en résille, etc. Enfin, c'est vraiment... on va dire que ce sont des choses qu'on ne voit pas partout. Et moi, c'est vraiment quelque chose dans la mode que j'adore. Des choses qui sont inattendues, des choses qui sont inhabituelles, des choses que finalement on ne voit pas partout. Donc voilà, pour toutes les personnes qui me suivent sur Snap, j'en avais déjà parlé un petit peu il y a quelques semaines, peut-être il y a une ou deux semaines. J'avais présenté un petit peu cette veste, je l'avais montré un petit peu et j'avais eu plein de questions donc, parce que les gens forcément ne connaissaient pas cette marque. Mais c'est normal parce qu'en fait c'est une nouvelle marque, c'est une marque qui est assez jeune, qui d'ailleurs vient de lancer son site web. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour que vous puissiez aller courir sur son site et voir. Franchement, je pense que vous ne serez pas déçus parce qu'en fait il y a énormément de choses. Donc si vous aimez bien les pièces qui sont très originales, les pièces que vous pouvez porter avec tout, à toute occasion, selon votre goût, selon votre style, je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. Vous trouverez votre bonheur sur ce site, surtout que les prix sont assez abordables. Je vais vous en dire un peu plus un peu plus tard quand je vais vous parler des spécifications par rapport à cette veste en particulier. Mais voilà, donc c'est une marque qui est assez jeune, donc c'est pour la raison pour laquelle elle n'est pas encore très très répandue, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que vu ce qu'elle fait, je pense qu'elle ira vraiment loin et je lui souhaite parce que c'est une personne qui est vraiment, on va dire, qui est vraiment comme... comme moi j'envisage une femme ambitieuse. C'est vraiment une personne qui a
qui a de grandes idées, qui a de très belles idées et qui n'a pas peur de les exprimer. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait être en fait. Une femme doit avoir de l'ambition, une femme doit être battante. Et vraiment, je la félicite pour ce qu'elle fait comme travail parce que c'est vraiment exceptionnel pour le coup. Alors, quelques détails donc sur la veste que je porte. Donc c'est une veste en jean oversize qui existe donc en small, en medium et en large. Son prix est de 89 €. Et c'est une veste donc à imprimer nuage. Donc je vous montrerai un close-up pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que signifie donc l'imprimé nuage. En fait, c'est juste les motifs qu'on retrouve donc sur la veste ici. Un petit peu. Mais bon, je vais vous montrer un peu mieux tout à l'heure. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Et si possible, je vous posterai peut-être, je vous mettrai quelques photos de comment je le porterai. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je vous ferai, une proposition de tenue, donc Outfit of the Day. Pour vous montrer un peu comment moi je l'aurais porté, comment moi je le porterai en journée et peut-être en soirée. Je ne sais pas encore, ça va dépendre de l'heure à laquelle je pourrais faire le shooting, etc. Donc voilà. La veste donc voilà, elle est en jean et ce que j'aime vraiment beaucoup c'est qu'elle est très originale. Je sais pas si vous pourrez voir là comme ça, mais il y a comme des petits destroy sur le côté ici là et aussi ici. Voilà, on voit très rapidement. Voilà, donc là on voit bien donc les petits destroy, les petits détails, et moi je trouve que ça fait juste trop tendance quoi. Voilà, c'est juste trop beau. Moi j'adore, vraiment je suis hyper fan. Donc voilà comment se présente le col. Voilà, je vais essayer de me lever pour vous montrer. Donc les détails nuages, donc c'est ça en fait. Et la veste, elle arrive au niveau du début des fesses un petit peu. Donc elle descend un peu, enfin on va dire qu'elle tombe sur les hanches à peu près. Et elle est oversize, donc donc voilà, c'est pas du tout quelque chose de moulant ou quoi que ce soit. Elle est vraiment très bien taillée. En tout cas, moi je trouve qu'elle est super bien taillée. Elle va très bien. Voilà pour la petite veste. Par contre, sur Snapchat, il y avait des gens, quand je l'avais montré, qui m'avaient demandé si elle existait dans d'autres couleurs. Malheureusement, non. Donc la seule couleur disponible, c'est la couleur bleu ciel blanc. Donc comme je vous l'ai montré, donc bleu ciel blanc, parce que ben, on retrouve les trois couleurs sur la veste. Hein, la couleur des nuages, la couleur du jean en lui-même, etc. Donc c'est la seule couleur qui est disponible. Mais je pense que c'est une couleur qui, de toute façon, va à toutes les carnations, qui ira aussi bien aux peaux mates, aux peaux plus foncées, aux peaux plus claires, etc. Donc c'est vraiment une couleur qui passe partout. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'elle existe comme une seule couleur. Peut-être que d'ici là elle la sortira dans d'autres couleurs, mais pour l'instant en tout cas il n'y a qu'une seule couleur de disponible. Mais franchement, croyez-moi, c'est une très belle couleur. Et peu importe de quelle couleur vous êtes, elle vous ira, parce que c'est vraiment bah, le bleu, le blanc sont des couleurs qui sont plutôt passe-partout et qui vont à tout le monde. Hein. Encore faut-il bien l'associer. Vous n'allez pas aller mettre ça avec un truc jaune ou un truc vert, hein. Attention à vous. Mais non, sincèrement, pour être plus sérieuse, c'est une couleur qui va avec tout le monde et qui va avec tout et qui vraiment passe partout. Et c'est ce qui est vraiment génial avec cette veste. C'est l'une des raisons pour laquelle je l'aime tant. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. L'idée, c'était vraiment de vous donner des détails sur cette marque donc, qui est Naikeka et qui fait de très belles choses, qui est spécialisée dans tout ce qui est bombers et vraiment qui en fait de très beaux, qui mixe des tissus et des styles vraiment inattendus pour produire des pièces uniques et vraiment exceptionnelles. Donc si vous êtes partisan d'une mode unique, d'une mode personnelle, d'une mode que finalement tout le monde ne portera pas, hein, donc ça veut dire si vous êtes comme moi, vraiment je vous invite à courir sur son site et à aller voir les pièces magnifiques que vous trouverez. Ça sera juste je pense un gros waouh quoi. Voilà, donc allez-y, je vous mettrai toutes les informations de son site en barre d'infos, mais c'est simple, c'est naikeka.com. Elle a aussi une page Facebook du même nom, donc N-A-I-K-E, plus loin K, donc vous tomberez tout de suite sur sa page Facebook, donc vous pourrez déjà avoir un aperçu donc des photos portées par des mannequins et donc qui présentent les différents modèles que vous retrouverez de toute façon sur le site. Voilà, donc en tout cas,
Ça a été encore un plaisir de vous filmer cette vidéo, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous sur le blog parce que je vais bientôt poster donc l'article où je poste, où je parle du lookbook que je propose donc pour cette veste et aussi d'autres lookbooks que vous retrouverez donc sur mon blog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien surtout et à la prochaine. Salut.